Bonjour et bienvenue, on est reparti pour un peu de Returnal. Donc je voulais faire la tour en fait. Il me reste plus ou moins que ça techniquement. Après il reste des petits succès à faire, genre récupérer tous les glyphes de tel ou tel endroit. Mais je me suis dit tiens, on va faire un peu la tour et on va faire ça, on va voir un peu comment on monte. Surtout que maintenant on a toutes les armes disponibles, donc voilà, je voulais voir un peu. Aussi, on est à 13 minutes parce qu'en fait, quand on est dans la tour, c'est la dernière fois, en fait, la dernière vidéo avec la vraie fin et tout ça, on a fini dans la tour parce qu'on avait des nouveautés. Et suspendre et quitter, en fait, c'était grisé. En fait, il faut sortir de la tour manuellement. On peut pas, genre, suspendre et quitter. Donc, j'ai dû faire arrêter le cycle et quitter. Du coup, bah voilà, on est de retour. Un nouveau cycle. Parti. L'avertissement, je sais même pas ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que ça vous enlève? Genre, ça vous enlève toutes vos reliques que vous avez eues en dehors du truc, c'est ça? Non, voilà, j'en sais rien. Après, on avait avec les cubes, là, on a des reliques intéressantes aussi. Genre, on peut passer les boucliers qu'on recharge, des trucs comme ça. Ah tiens, on a un nouveau truc. Ça marche. Le système de simulation d'Helios fonctionne désormais dans la tour. Contrairement à Sisyphe, je n'endurerai pas servilement mon châtiment. Je vais m'en emparer. Chaque fois que je pousserai mon rocher sur la colline, l'ordinateur enregistrera jusqu'où je suis allé. La fois suivante, je pousserai plus loin. Je trébucherai. Je tomberai. Mais je continuerai. Je monterai. Elle... J'ai transformé ça en une sorte de jeu. Chercher un sens dans le tourment. Et ouais, bah quand on s'ennuie, hein, on fait un peu ce qu'on peut, hein, c'est ça le truc. Donc elle faisait sûrement allusion à l'histoire grecque, là, où... Ah, je sais plus qui poussait le rocher, là. En tout cas, on y va. Je sais plus jouer, je vais être honnête, ça fait quelques jours maintenant qu'ils sont passés. Donc on va voir. La tour change, tout comme le reste d'Atropos. Ok, je suis pas visé, c'est bien. Est-ce qu'on a besoin de pièces? Oui, je crois. Ah, mon multiplicateur il descend, c'est vrai que je m'en doute. Ah tiens, on a déjà des trucs. Déjà la maîtrise. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, la tige d'une fleur sectionnée de sa plante. Coquelicot blanc. Un coquelicot blanc. Pour le vase. Oui, c'est le vase dans la cinématique qu'on a vu, elle le cassait. On a vu ça il y a longtemps. Attends, tu vas me dire que... Oh mon dieu, il y a encore ça à récupérer. Ok, maintenant je comprends. Okay. On n'a pas fini avec... On n'a pas fini avec le jeu. Lol. Lol. Ah, ça va, il y a du contenu du coup. Donc on a fait... Alors pour ceux qui n'ont pas tout vu... Honnêtement, je vous conseille de tout regarder parce que c'est fun. Et honnêtement, je vais assez vite. J'ai vu des... J'ai juste parlé 2 secondes. J'ai vu les forums de Steam. Il y a des gens, genre pour le premier boss, il y a une personne qui disait qu'elle a mis 12 heures pour aller au premier boss. Quand même, nous, on l'a atteint au bout de 2 heures. Et honnêtement, c'était 1 heure d'apprentissage de jeu surtout. Mais le premier boss, c'est quand même genre un seul biome, genre une ou deux armes différentes, non, trois peut-être, un truc comme ça. Il n'y a quasiment rien. Et la personne disait que c'était toujours fun pour elle. Honnêtement, au bout de 12 heures, je pense que j'arrêterai de jouer. Hein, parce que pour moi, 12 heures, c'est pas vraiment ton type de jeu. Hein, si tu fais que mourir et t'arrives au bout de 12 heures au premier boss. Enfin, je sais pas. Moi, pour moi, je trouve que c'est un peu beaucoup. Mais bon. Après, les gens, ils aiment bien le jeu et tout ça. Mais bon, ils sont pas très bons, quoi. Ou alors, ils ont une très mauvaise chance sur le RNG. Donc, bref. On avait récupéré tout ça donc dans l'histoire. Le grappin, tout ça et tout, machin. Après les différentes clés, on a refait le jeu plusieurs fois, en fait, on a eu la clé de voiture pour la vraie fin.
Avant ça, enfin, pour avoir la clé, on a dû récolter des fragments qui étaient dans tous les différents biomes. Ça, c'était plutôt cool parce qu'on l'a découvert en fait petit à petit avec les différents symboles et tout. Le jeu en fait vous explique pas grand chose, donc c'est ça qui est sympa en fait de découvrir les choses par soi-même. J'aime bien quand on nous tient pas la main, honnêtement, j'aime beaucoup. Et là maintenant, donc une tige d'une fleur sectionnée de la plante. Donc on a tout plein de coquelicots à récupérer, si je comprends bien. Ah, et on monte, on continue à monter. Pourquoi pas? Fais voir. Ah oui, est-ce qu'on a les trucs débloqués ou pas? Intuitif. Les émulations rapportent plus de maîtrise. Oh, intéressant ça. Jamais vu ça. Mais c'est plutôt cool. Oh là là, t'es sérieux? De mêlée amplifiée. Qu'est-ce qu'on a eu comme objet? J'ai pas vu. Ah, c'est les tours, ça. On va désactiver les tours. Yes! On est passé. Alors, désactiver toutes les tours, remplis deux emplacements. Ça, je m'en rappelle que ça faisait un cercle et ça nous téléportait. Ça, je m'en rappelais. Ah, c'est quoi ça du coup? Ah, maintenant on voit ça! Ouh, cool! Ah oui, maintenant, vu qu'on a toutes les améliorations, on aurait dû peut-être changer de... Putain, ça fait du bruit, cette merde. On aurait dû peut-être changer de tenue, mais bon, c'est pas grave. C'est rien qu'une tenue. Bizarre, j'ai du mal à ramasser les objets. Ouais, j'ai du mal à ramasser les objets, je sais pas pourquoi. Bonus de vitesse, 25 de plus. Ouais, même là, on peut passer maintenant, c'est cool. Oh. Ah, c'est le jouet qu'on a dans le vaisseau. Attendez, mode photo. Ouais, le truc qui ressemble à du Minecraft. C'est marrant, il est pas... Je sais pas, on peut rien faire. Alors, journal. Journal de reconnaissance Atropos. Ma situation a changé. Je ne retourne plus au site du crash quand un cycle s'achève. Je commence à la tour. Tout en bas. Obligé de grimper de nouveau. Oh, c'est un fardeau. Une épreuve. Qui ne cesse que pour reprendre. Je crois qu'on l'avait déjà entendu. Par contre, bah là, du coup, pourquoi? Genre faut aller à une certaine vitesse, peut-être. J'en sais rien, y a rien, je vois rien du tout.
très bien. Je devrais y aller à l'épée avec eux. Ok, il y a un petit mur. Ah, si, objet. C'est un soin. Alors là, on a le dégorgeur. Roquette. Concentré qui inflige des dégâts très importants, ça marche. Ah oui, ça c'est l'arme spéciale ultime. Voilà, ok, on peut faire le tour si on n'a pas le... Voilà, là on tire plus vite. Qu'est-ce qu'elle fait? Chambre profilée, augmente la cadence de tir, fusil à tête chercheuse, ça marche, nickel. Obus explosif, très bien. Wow, joli. Eh ben. Pistolet, non merci, ça ira. Oh! Merci. C'est parce qu'on est allé vite, c'est ça? Il y a une tour. Ta mère. Ok, pas mal. On s'est pas fait toucher. Enfin, si. On a perdu le bouclier, quoi. Donc ça va. Faut que je pense à utiliser le spécial si on est dans la merde. Putain, pourquoi j'ai... C'est bizarre, dans la tour, j'ai l'impression que j'ai du mal à ramasser les objets. Genre les ramasser vite. Lanceur pyro amélioré... Putain, la chambre profilée, elle est déjà faite. La carabine... Non, la carabine, non, elle est trop chiante. Oh, la vitesse, c'est trop bon. La chambre profilée. Et la fusée à tête chercheuse 2. Et il a obus, donc c'est nickel. Ah oui, le multiplicateur, il tombe. Oh, fait chier. Augmente les dégâts des armes, 5%, toutes les 200 trucs, ok. Intégrité max. Les dégâts des armes. On va prendre les dégâts. Pour le moment, on va prendre les dégâts. C'est un peu le plus important, je pense. Ce point de vie, on s'en sort. Fais voir ça. Ah, un coffre. On va pas manquer ça. Coup subi réduit le délai de récupération. Ouais, c'est pas vraiment très utile.
préfère ne pas me prendre de coups. Hein. Ah tiens, le lanceur. Le disque d'adrénaline, c'est quoi ça? Chaque tir a une chance d'augmenter l'adrénaline. Ouh. Ok. Chambre agrandie, disque d'adrénaline, pareil. Ah mais non, mais c'est pas le mot, pardon. Je lisais mal le truc. Pourriture rebondissante. Je pense que le lanceur est mieux. Ouais, je pense que le lanceur est mieux. Ah, attends, j'ai de l'argent encore. Donc les dégâts des armes à 5% toutes les 200 et je pense pas. On peut le prendre, techniquement, c'est peut-être quelque chose qui va être vachement utile. Parce que techniquement, on devrait faire que combattre des monstres très longtemps, donc on devrait être riche au bout d'un moment. Je sais pas. Non, non, non! Oh, oh. Très bien. D'urgence change réparer l'intégrité. Ah, ça, c'est bien, ça. Les surcharges réussies permettent de votre arme de détruire les boucliers. Pendant 6 secondes, c'est pas mal ça. Mais bon, on a lance-grenade pour le moment, donc on va sécuriser le fait de soigner. C'est bon? Oui. Je crois qu'il y avait un truc en bas. Nickel. Nickel. Alors, le lanceur. Dis-moi qu'il y a le tir rapide. Non. Non, celui-là, c'est le méga roquette. Non. Il est trop lent. Comment on a une clé ici? C'est au hasard? Bloqué. Oh, ça va. Électrobaliseur, non, ça va. J'ai l'impression que je suis pas assez mobile. Augmente les dégâts des armes, augmente l'intégrité. On va rester avec les dégâts pour le moment.
L'intégrité, on se débrouille bien. Donc bon, si on peut tout one shot, je dis pas non. Allô? Non. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, boss! Oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait des boss ici. Ça, je sais pas comment on l'active. Pistolet. Oh, super, non? Ah oui, c'est le machin avec l'œil là. Oh la vache, d'accord, d'accord. Super départ. Putain, on l'avait. Attends, il va pas me faire. Oui, voilà. Ah, c'est permanent. Phase 2. J'ai même pas vu ce que c'était. Je crois que c'est la vie, peut-être. Oui, c'est la vue. Alors, répare. Caution en termes d'entre encaissé pour l'adrénaline. Réduit le nombre de résines nécessaires pour améliorer l'intégrité. Ouh. On peut peut-être arriver à 300% très vite. On va prendre la fiole de soin. Le stock à eau. C'est parti. Eh, classe la tour. La partie extérieure est classe surtout. Bien. Ah bah oui, ça augmente vite du coup là comme ça. Le tracker est vidé. Ouais, c'est pas mal. Il a quoi? Le brise-bouclier, très bien. Cartouche multiphase, bon, c'est pas déverrouillé. Le rayon à portail 2 et le shrapnel, ça c'est bien. Ouais, il est bien.
Ouais, les portails font mal de ouf, quoi. Les portails font super, super mal. Oh la vache. On va voir l'arme quand même. Le lanceur thermo. Attends, c'est le lanceur thermo en automatique 2. Ouais, je le garde. Ça fait très mal en automatique. Mais bon, faut débloquer l'auto, mais bon, honnêtement, ça vaut le coup. Mais d'où tu me touches? J'ai eu quoi? Masse pulsative ou je sais pas quoi? Attacher ou détacher un pari augmente un... Ok, ça marche. Merde. Mais merde. Bon bah c'est bien, là on a tout merdé par contre. Y'a quoi là-haut? Y'a rien. Ouais, là on a tout merdé. Pas très beau, hein. Le disque de négation. Ça m'embête, je voulais finir le lance-roquette. Alors, les projectiles tirés détruisent les projectiles ennemis. Ouh. Ouais. Bon, ça va faire mal. Je crois que niveau dégâts, on est bon.
Ça va, on se débrouille bien. Je récupère un peu ma vie, je sais pas comment. Ah si, si. Le fait de tuer. Si. Là on est bon. Au hasard, ouais. C'est quoi ça? Détache tous les parasites. Ah bon, on en a pas. Je sais même pas si c'est possible d'avoir des parasites là-dedans aussi. Ça m'embête là, on est... j'arrive pas à me re-soigner. Enfin, de toute façon, après, je trouve plus de soins, quoi. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nouvelle arme? Ah non. Pas renversé. Ok, ça c'est bien. Par contre, j'ai pas lu ce qu'il faisait notre nouveau nouvelle arme. Ah, oh, on est dans la merde niveau vie. C'est ouf. Sur un signal sauf autorisation spéciale du commandement Astra. Je... bien sûr. Vous pouvez demander. Oui, c'était il y a longtemps. Mes priorités sont différentes. Vous avez raison, oui. La perte, le chagrin, le vide qu'on ne peut pas remplir. Mais je suis plus que ça. Regardez mon dossier. J'ai tout donné pour ce poste. Je continuerai comme ça. Je suis en train de me demander si en fait elle a pas survécu à la perte de son enfant et maintenant après elle s'est engagée dans l'aéroforce. L'aérospatiale. Alors la carabine, non. Qu'est-ce qu'on a débloqué avec ça? Je me rappelle plus. Oui, là, le disque de négation. Et là, on a quoi? Et il fait quoi, lui? Tenir dans la pourriture qu'on fasse une protection supplémentaire. Non. On va garder ça pour le moment. Ah, j'ai un peu peur pour ma vie, en fait. Ah, il faut que je regarde le l'arme aussi, ce qu'elle fait. M'avait dit quoi, je vois. Tire un projectile qui soit chargé en énergie destructrice. Tension convertie. Oui, ok, ça marche.
Là, je crois qu'on a vraiment un BFG en fait. Ah tiens, là on le voit le machin. Bizarre. Je ne comprends pas. Après, bon, il fait mal hein, le machin toujours, hein. Ça c'est bien. Il n'y a pas un moyen de... J'ai vu une vidéo où un mec, il sautait et il se boostait. Il boostait vers l'avant, en fait. Mais en sautant. Je sais pas comment il faisait. Non, pas comme ça. Il avait l'air de... Ouais, de booster, sauter, mais... Je sais pas comment il faisait. Moi, j'en sais rien. Alors, c'est un bouclier... Alors, le vassal de l'effroi. Non. Pas très intéressant. Ah ouais, d'accord. Waouh, d'accord, ok. Ah bah là, là j'y suis allé comme un bourrin, comme un débile. En plus, il faut y aller, quoi. Attends, il y a un truc sur le côté. Ah bah on a bien fait de tomber. Ah, on aurait pu attendre pour une porte, plutôt, non? Je sais pas. Ah, ça c'est un nouveau. Déchaîne un barrage écrasant de détonation rapide. Ok. Faut qu'on l'utilise, faut qu'on le teste. Genre là, ça me paraît pas mal. Ah, mais bon. Ah, bah bravo. Mais il est pas mal. Dis-moi. Il est pas mal le machin. Ah. Alors, grandement l'intégrité. Grandement l'intégrité. Ah, moins de taux de maîtrise. Ouais, je préfère moins de taux de maîtrise. Ouais, on peut en prendre qu'un seul. Bon, il faudrait qu'on soigne. Je sais pas trop comment. Il faudrait un meilleur truc pour me soigner. Ouais, on aurait dû peut-être attendre la porte. Pas grave. Putain, mais...
C'était pas joli. C'était pas jojo, hein. Ouais, on commençait dans la merde, dans la vie. J'arrive pas à me soigner, en fait. Parce que peut-être l'autre truc il commence à être un peu... Voiture caustique. Les tirs directs infligent des dégâts supplémentaires sur la durée. Prégile rebondissent avant d'exploser. Chambre agrandie. Ouais. Donc ça commence à être un peu relou l'autre truc. Peut-être qu'avec ça on y arrivera un peu mieux. On peut mieux se déplacer en tout cas. Alors, électrolyseur, pylône protecteur. Augmente la protection à proximité des pylônes. Harmonie des lames. Toile de pylône et la chambre profilée. Je sais pas trop. Le tir chargé, c'est pour aller juste plus vite, hein. Ça fait pas plus de dégâts. Hein. Tire des fluides d'acide chargés au tir pour augmenter la portée. Oui, c'est juste la portée, donc vu qu'on est tout le temps au corps à corps. D'accord, j'arrive pas. Ouais, peut-être que j'utilise le bouclier. Hein. Voilà, maintenant on en a deux comme ça. Ah, mais il y a le boss. Merde. Le truc recharge tellement vite que j'arrive pas à cliquer. Ouais, là j'ai merdé. Il est mort de Dot. Ah merde, phase 2. Je crois. Ouais, je vais même pas... Ah, c'est joli, hein. C'est bon, putain de merde. J'ai essayé de dasher dedans, ça marche pas. Ah, c'est joli, hein, ce qu'il nous fait avec les tourbillons de boules et tout, hein. Mais putain, la merde à esquiver, hein. Je me demande si le fait, en fait, d'avoir acheté l'intégrité, là, l'objet d'intégrité, ça servait vraiment à quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'au début, il nous laisse vachement de vie, ou alors c'était mon arme. Et là, on doit déjà être à 300%, en fait. Proche.
bouclier, dégâts des armes 10% en termes de défonctionnement. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est moins cher. Déclencher ou réparer des dysfonctionnements répare l'intégrité. Mais comment ça fonctionne? Genre après chaque boss on se soigne? Mais bon, on se soigne pas beaucoup quoi. On va prendre le bouclier. Ah, je pense que ça va mal finir cette histoire. C'est un peu soigné. C'est une catastrophe à recharger. Ça va tellement vite. C'est une catastrophe à recharger. Abusé, jamais eu ça. Alors, je recharge ici, réduise les délais. Oh, ah. Ah, ça c'est pas mal. Et vu qu'on a beaucoup de boucliers, autant l'utiliser, autant prendre ça. Parce qu'on utilise beaucoup le coup de mêlée en fait. Qu'est-ce qu'elle raconte, la folle? Il y a un truc pas mal. Portail de pourriture. Les ennemis tués par la pourriture font apparaître un portail qui tire des projectiles. Fou. Ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air vraiment bien. Après, il y a projectiles aussi. Les projectiles auxiliaires sont tirés en plus du projectile principal. Projectile anti-gravité, projectile défie la loi de la gravité pour aller plus loin. Ah, ça, c'est bien, ça. Et plus vite. Augmente la cadence de tir et les fusées à tête chercheuse. Ouais, on va garder ça. Ouais, en fait, c'est un tir laser maintenant. Enfin, ouais, quasiment, quoi. Donc, ça, c'est nickel. Par contre, on a... Oui, la bestiole, là, tire. Okay, ça marche. Ça marche. C'est soigné. Comment ça s'est passé? Pas trop fait attention. C'est un peu le bordel. J'ai eu du mal à tuer les petits qui volaient autour de moi.
Ah. Ça va, on arrive. Projectile auxiliaire, moi j'attends ça surtout, ça arrive vite. On arrive un peu à se soigner et tout, ça va. Je crois qu'on l'a le projectile auxiliaire. Ouais. Bon là et ça fait mal. Faut que j'utilise le désactivation de tourelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, on va choper un bouclier. Ça c'est quoi? C'est juste une arme? Non, honnêtement, je suis très bien avec mon arme. Après, il y a un autre coffre. Hein. Ah merde! Putain, ruée désactivée, je l'ai vu au dernier moment. Nickel. Augmente les dégâts des armes du pourcent en cas d'intégrité complète ou basse. Ouais, alors du coup ça va être compliqué. Elle est où la tour? Merde, c'est les trucs que je déteste. Ouais. Non, ça va. Non, ça va. Il est mort avant. On avait le... La suivi, la traînée, là. Ça veut dire qu'il va apparaître sur nous et nous taper. Ouais, c'était moche, c'est bien. C'était moche, j'ai plus de vie. Ouh, utiliser des consommables augmente la protection, c'est pas mal ça. On va augmenter les armes. De toute façon là honnêtement on peut plus faire grand chose. Hein. On n'arrive pas vraiment à se soigner. Donc à part faire des dégâts et tout défoncer avec la chance que peut-être on arrivera à se soigner dans le tas, pas grand chose à faire. Hein. Aussi
Chilette, cartoum, chilette, portail, shrapnel. C'est pas mal, mais je pense que maintenant notre lance-grenade fait l'affaire. Ouais, je pense que ça va, il fait l'affaire maintenant. C'est juste son spécial qui est pas top top. Mais les dégâts sont très bons. Ah, ça a marché. On lui a fait assez de dégâts pour passer, ça va. Oh, super. Ouais, on lui a fait assez de dégâts pour le détruire. Même avec la, le régène. Bon, bah, je pensais pas qu'on allait... on allait trouver ça. Ça aurait pas pu être du soin? Genre que du soin? Ah, on a mon truc préféré. On l'a en automatique, grande chambre, requête critique. Et requête thermique. Donc dot, double explosion, tire plus de munitions. Il a obus explosif aussi. Et il est en automatique. Ouais, on a mon truc préféré, c'est bon. Obus explosif 2. Ça arrive de faire mal. Non. Très bien, ça tue. On avait fait un méga cycle avec cette arme là. On avait fait un super cycle. Oh merde. Très bien. Avec leur bouclier. Encore un truc derrière moi. Ça va. Ah, tiens, on a une clé. Dis-moi que c'est du soin. Déjà un barrage. Okay. Oui, c'est vrai qu'il faut... y a ça aussi. Faut que je l'utilise de temps en temps. Ou alors contre un boss, peut-être. Faudrait que je vois les dégâts qu'on peut faire contre un boss. Je veux du soin. Oh, on va se faire écraser, non? Je crois pas. Merde. Ah, je crois qu'il y avait encore plus de récompenses en haut. Quel con, quel débile. J'avais peur qu'on se fasse écraser. Ah. Ouais, on a zap. Je crois qu'on avait plein de soins. Ah oui, il y avait plus de... du soin, des récompenses, ouais. D'accord.
Bon, ça n'a pas l'air trop compliqué. Puisque j'ai du mal à voir le laser qui arrive en fait. Ah, et voilà, nique ta mère, trop vite. Je devrais pas parler comme ça, c'est pas bien. Le jeu, ça rend violent. Non, je déconne. Ok, très bien. Pas mal, on va prendre ça aussi. Ah, on pourrait peut-être... Ouais, non, c'est pas grave. Ok. Lance un essaim dévastateur. Après, on a quoi, là? Non, ok, oui, c'est du... C'est que de la maîtrise, mais on est au max. Ouais, on va tester contre un boss, l'arme spéciale. Waouh, mais c'est que du bonus, ici. C'est super. Alors, une mise contre les effets de ralentissement. Je crois qu'on l'a. Attends, on l'a pas déjà? Les effets de ralentissement. Bah, enfin, non, il nous donnerait pas deux fois le même. Je crois que je l'ai vu, mais je l'ai pas pris. Montre l'intégrité masque. Ah oui, non, c'est renversé par les attaques lourdes. Ouais, c'est renversé. Ouais, on va prendre ça du coup. La carabine, je l'aime plus vraiment, honnêtement. Elle est trop lente. Putain de merde. Ah mais attends. Alors, pas se mettre en dessous. On peut pas tirer assez loin. Assez haut, pardon. Oh là, je fais de la merde. Là, je prends... Utiliser le consommateur. Bref, une protection, je prends... Ça, je prends pas... J'ai perdu tellement de vie. J'ai fait tellement de la merde, c'est ouf. Moi, oui, ils ont un bouclier. Bon, après, bon, contre les trucs volants, j'avoue que c'est un peu compliqué. Mais... Ouais, là, je vais passer la merde. Oh la vache. C'est pas fameux, hein. Pas fameux. Ah oui, protection augmentée, c'est vrai que je suis un peu con. Serviteur ou bien autre. Ah,
pas vraiment besoin de spécial. On dirait le début d'une musique de Rammstein. Il y a un truc qui vole à côté de moi ou quoi? Oh là, quel... C'est moche, hein. Ah, les flaques d'acide, mon pire ennemi. Les yeux fermés, j'ai eu un succès. Pascal. L'ascension est infinie. Ouais, pourquoi tu pensais que... Il y avait une fin ou quoi? Comment ça se passe? Alors, répare toutes les dis... Oh! On va prendre ça, hein. Ah, c'est bien d'avoir ça maintenant, en fait. Ah, mais attends, c'est permanent! Mais pourquoi ils nous donneraient ça, du coup? Ça serait débile. Bah non, je peux pas l'utiliser. Mais c'est complètement con, je me suis fait arnaquer. Super, je me suis fait arnaquer de 300. J'aurais pu acheter plein d'autres trucs. Donc en fait, faut pas... Oui, non, faut pas acheter les trucs de dysfonctionnement là pour le soin. Enfin, dans un sens, ça, quand ça vous le met, vous vous soignez, mais... Ah, mais là... Oh, là. Bon, bref. Là, on va penser à autre chose. Débile, quoi. Ah ouais, ça c'est pas mal, ça. Débile l'objet. Je vois pas pourquoi il nous le conseille. Ah, parce qu'on peut avoir un dysfonctionnement normal, peut-être, en plus. C'est ta mère. Ça me rend fou, l'acide. Ça me rend fou. On va plus pouvoir récupérer de pièces, rien du tout. On va rien pouvoir faire. Ouh! Chaque salle terminée augmente la protection de 2%. L'animation est plus nécessaire. Mag, mais genre, à partir de maintenant, ou... Protection 30%. Peut-être... Peut-être depuis le tout début. Ah, la cide ! Faut que je m'en rappelle. Acide, 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 acide. 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 Bien joué. C'est pas fini. Je récupère que dalle.
Je récupère strictement rien maintenant. En point. Parce que j'arrive pas à marcher dessus. Oh, mon multiplicateur il a baissé, je crois. D'accord, je peux pas monter par là. J'essaye hein, de dasher au-dessus. Hein. Et j'ai tiré le truc court. Bordel. Ouais. On récupère plus rien. Et mon multiplicateur est une catastrophe. T'aimes les explosifs. Ah, on défonce. Mais bon. Un peu la merde. J'aurais pas dû faire ça. Il y a plein d'objets en bas là. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, non, il fait mal hein, le machin. Il fait très mal. Hein. J'aime bien aussi l'effet les roquettes thermo là. Ça fait des dots. Et on voit ça brûle en fait sur l'ennemi. C'est vraiment cool. Pylône, chambre, extracteur de filet. Il y a ça, ça pourrait peut-être être utile. J'ai mis en plus de chances de lâcher de la résine. Ça peut-être. Ça peut peut-être nous aider.
ça peut peut-être nous maintenir en vie. Et après, contre le boss, on utilisera les tirs spéciaux. Putain, si vous avez le vertige, je vous plains, la vache. Ouais, non, là, par contre, je peux pas... Oh, merde. Oh, yes, ça a marché. Go, 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 go. Yes. Ouais, juste avec cette arme, ça peut nous aider, parce qu'elle est pas si mal. Et si ça peut nous balancer des résines plus souvent, on peut peut-être se maintenir en vie plus facilement. Et là, on est un peu sur le fil à chaque fois. Dis-moi, c'est la merde? Il y a combien d'ennemis là, hein? Ah non, ça va en fait. Oh le multiplicateur de merde. Alors ça c'était de la... Pardon ? Je sais pas pourquoi je me suis repris des dégâts. Par contre, là, les prochains parasites sont mieux. Je sais pas si ça vaut le coup. C'est tellement rare. Ça, à la limite, ça sert à rien. Être full vie ou... À la limite, on prend ça pour si jamais on a d'autres parasites et si jamais ils sont vraiment bien. Si ça peut augmenter leur effet, c'est bien. Bon, après les dégâts, c'est sûr que c'est pas. Ça augmente la puissance de vacillement de 20% à chaque parasite détaché, attaché. Après, c'est pas la puissance du roquette, hein, ça c'est sûr. Hein, mais bon, ça nous permet de bouger et tout. La charge de barre réduit le nombre de résines nécessaires pour améliorer l'intégrité de... Ah oui, ça, on en a plus besoin. Oh là là, arrête de... Prie, au lieu... Fais de la n'importe quoi. Alors, augmente les dégâts de 10% en cas d'intégrité complète ou basse. Non. Augmente la protection de 10%. Protection. Putain, il nous manque un. On est à 424 sur 425. Alors ça, si c'est pas du foutage de gueule. Putain, c'est quoi ça? Vol. Quoi? Vol de dégâts. Les tirs réussis infligent plus de dégâts à leur retour. Hein. Alors toi, t'as extracteur, t'as l'impulsion de lame. C'est quoi l'impulsion de lame? On fait plus de dégâts avec la lame? Les coups d'épée déclenchent une impulsion de dégâts des pylônes. Ah oui. Oh là là, mais on va bien te faire mettre quand même.
Normalement, ça me protège les. Il m'a. What? Il m'a enlevé autant de vie. De retour en bas. Encore. Dingue, foutage de gueule. J'avais au moins la barre que j'ai là, honnêtement. Je pense. Ah tiens, on va pas avoir une nouvelle cinématique. Ah non, mais là, non. Ils font chier, ceux-là. Faut que j'utilise les attaques spéciales plus souvent, en fait. Je crois que ceux-là, c'est les pires hein, pour moi. Aïe, aïe, aïe. Alors, fais voir. Tragique car accident. Ou alors, elle a eu... Pour parler comme les journaux. Car accident in Okanagan Wenatchee National Forest. Ah merde, putain, on peut le dire. Une femme en condition critique, un enfant a disparu suite à un accident de voiture survécu sur la forêt nationale. Dans la forêt nationale, les autorités cherchent encore à déterminer pourquoi le véhicule a traversé la glissière de sécurité avant de plonger dans le lac. La météo. Et l'état de la route n'ont visiblement pas eu d'impact sur les événements. La femme est actuellement traitée pour blessures graves à la colonne vertébrale. La police et les gardes forestiers n'ont toujours pas retrouvé son enfant disparu. Un habitant de Cloma intègre le programme social. Ah, c'est peut-être lui qu'elle a renversé. Le mec a intégré le programme. Mais bon, qu'est-ce qu'il foutait sur le pont? Hein? Qu'est-ce qu'il branlait là? Donc bon, c'est un peu bizarre, quoi. Ah, on peut zoomer. Donc, c'est bien ça. Je suis sûr qu'elle est... Elle est dans le coma, du coup. Attendez, je vais prendre un screenshot. Du coup, j'avais raison. Parce que en plus ils disent. Attendez, hop, screenshot. Ils disent. Blessure grave à la colonne vertébrale. Honnêtement, colonne vertébrale, tu restes paralysé à vie, tout ça. Hein. La plupart du temps. On va voir un peu. Non, c'est toi, c'est bien toi qui est. T'es fichu, ma pauvre. Hein. T'es dans le coma. Hein. Ah. Tout à fait normal. Igor. J'arrive pas à lire les livres. You reach the surface, you left the surface, you breach the surface. Elle semble aussi seule. Il y en a qu'une dedans. Je suis sûr que là-dedans, c'est elle. Alors, c'est quoi? C'est Selene V. Ah oui, c'est ce qu'elle avait lu, là. Oui, c'est vrai qu'elle avait écrit ça. Ça, on l'avait déjà lu. Il y avait une fois une petite fille pleine de joie, une maman et faisant trois. Il vivait heureux dans un petit chalet bien protégé au cœur de la forêt.
Captain, Mom. Alex? Alec? C'est ça. Serpent qui se mord la queue, Ouroboros, le soleil. La voiture. Alex and the giant nectarine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je l'ai vu ça, non? Enfin, si, je l'ai vu, je suis pas con, mais. Il faut faire autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, vu la technologie, hein, moi je pense qu'on est... Attends. Space l'air que tu regrettes ascent after the moon, where next? Inside the first photograph from Mars. From Mars? Ça veut dire depuis Mars? Genre la première photographie depuis Mars? Ouais, enfin c'est peut-être un rover là, les appareils qu'ils envoient. Non, mais vu la technologie, moi je dis qu'on n'est pas dans le futur ou quoi que ce soit pour le moment. Moi je dis que tout ce qu'elle imagine, elle, tout ce qu'on a là, genre les armes et tout ça, genre Helios et tout, le vaisseau et tout machin, c'est pas... C'est dans sa tête tout ça. Hein. Je crois que son époque, c'est notre époque à nous, hein. C'est du pareil au même, hein. C'est 2000, 2020, c'est les années 2000. Hein. Bon, on est reparti. Chier. L'ascension recommence. Sans déconner. Ah, je me suis bloqué. Encore des preuves que la tour change à chaque cycle. Bien, je me suis déjà fait toucher. Oula, oula, alors attends. Ah putain. Vous pouvez me tuer? Mais genre rapidement, s'il vous plaît. Merci. Que me faire toucher au début. Je monte. Pète un câble, ça y est. Ça y est. Oh! Est-ce qu'on peut voir d'autres informations? Je me demande qu'est-ce qui trigger le prochain événement en fait avec ça. Ou alors c'est le même peut-être. Ça a l'air d'être le même. Normalement il devrait avoir la boule. Non, je crois que c'est le... Ouais, c'est la même chose. Ah, je crois que maintenant en fait on a accès à ça. Pas zapper, non. Je crois que maintenant on a accès à ça tout le temps parce qu'on a commencé la entre parenthèses quête des coquelicots, non? Il y avait écrit un message avant que j'appuie. Il y a écrit quoi? Tiens, on peut plus y retourner.
Non, mais ça doit être une fois qu'on revient, en fait, à chaque fois. On peut y retourner, mais bon. Faut déclencher autre chose. Oh là là, je fais de la merde, putain, bouge un peu. Après, c'est pas comme si on allait... on allait avoir besoin de vie, max de vie, hein, ça va vite. Hein. Elle est horrible cette arme. Ok, très bien. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais... Là, on va zapper. Pour les trucs qui volent, elle est horrible. J'ai envie de pleurer. C'est horrible. Il faut attendre que les projectiles en fait reviennent, donc c'est extrêmement long si on tire mal. Enfin, si on tire pas précisément dessus. Oh. Ouais. N'importe quoi sera mieux que ça. Encore le machin. Pas mal. Quoi ce porte? Ça s'est allumé ou quoi? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais plus pourquoi j'essaie. Je m'accroche pour monter encore, mais je retombe à chaque fois. Le châtiment éternel. Sans espoir. Mais elle s'attend à ce que j'abandonne, à ce que j'échoue. Besoin de son approbation. Plus maintenant. Si je continue, c'est pour moi. Elle parle de sa mère, je crois. Une raison d'être. Je crois qu'elle parle de sa mère. Elle dit elle.
C'est pas mal, on va prendre ça. Là, on a deux clés. On va garder une clé pour une des portes. J'aurais dû faire ça. J'ai été très con. Oh putain, je recharge comme un con quoi. Salle terminée augmente la protection. Les parts empêchent de forcer pour se détacher. Aucun effet négatif. Vous pensez que ça fonctionne? Genre répare ou empêche un dysfonctionnement puis se détache. Genre est-ce que ça va arrêter le dysfonctionnement permanent? Non, m'étonnerait, c'est permanent. Mais bon, c'est bizarre qu'il nous le donne, qu'il nous propose le truc en fait. Ah tiens, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu en prendre un. Impossible à collecter. C'est pas grave. Je pensais que l'autre allait disparaître, mais en fait non, il est pas sur piédestal. Le dieu des boss de nerf, en fait. J'ai pas dashé parce que j'ai appuyé sur la mauvaise touche. C'est ouf ça. C'est ouf de faire de la merde comme ça. Incroyable. Je sais pas de qui. Pourquoi elle parle de sa mère? Genre sa mère aussi elle était à l'hôpital? Ouais, de toute façon le dysfonctionnement il va arriver donc on va les avoir les 10%. Autant prendre ça directement. Je fais pas cher. C'est quoi ça? Ah, un coquelicot. Un autre coquelicot. Nickel. Un peu. On fait une forte chance de récupérer des projectiles tout aussi. Ouais, on peut prendre celui-là. Je voulais faire stylé, mais... On va garder le fusil à pompe, j'aime bien. Alors, dégâts des armes 5%. Ouais, ça non, parce qu'au final, ça c'est bien. Consommable qui augmente la protection, ouais, pas mal.
mal. Nickel. Pas mal ce fusil à pompe. Ah. J'aurais peut-être pas dû... Ouais non, si, le soin, c'est bien. Ah, c'est pas énorme, énorme, mais... Oh. Est-ce qu'on peut faire ça? Merde, non. J'ai essayé de gruger le truc. Donc les dégâts... Intégrité. On va prendre les dégâts. Parce que de toute façon, on récupère de la vie après les boss, donc bon... Comme j'ai dit, autant pouvoir one-shot tout le monde, ça aide. Beaucoup. Comment j'ai été touché une deuxième fois, bordel? Quoique, attends. Non, l'expulsion rapide. Les merdes. Voilà. Pas très très efficace quand même. Le spécial, hein. Vraiment pas efficace pour ce que c'est. Ça reste mieux contre les gros trucs. Hein. Non, ça reste mieux contre les monstres normaux en fait. Du soin. Dégâts des armes. On va garder ça pour les salles. Pas le temps de regarder les armes, quoi. Sinon on perd de... Bien. Alors une carabine
Non. Non, le fusil à pompe marche bien là, je voudrais vraiment l'explosion rapide par contre. Pas mal ça. Par contre, il y a l'autre qui explose là. Pas mal ça, pas mal. C'est joli ça. C'est très joli. Oh. 20 semaines et 3 jours. Non, non, pas de coup de pied. Immobile. Calme. Non, je suis toute seule. Mon partenaire ne peut pas. Et ma mère. Non, je ne préfère pas. Je sais déjà, pour être franche. Un garçon. C'est un garçon. Oui, je... Ah. Nous avons déjà un nom pour lui. Oh la saloperie. Je pensais pouvoir tout faire moi-même. Ouais, elle est divorcée et tout ça, il n'y a pas le, le père ici. Il est parti, quoi, ça on avait compris. Mais putain, j'aurais bien voulu qu'elle nous dise le nom... J'aurais bien voulu qu'elle nous dise le nom de l'enfant. On va prendre de l'argent cette fois. C'est super important pour comprendre l'histoire. Bien joué. Ouh la vache, qu'est-ce qu'il me gave. Il m'a touché. Je sais pas. Un objet. Ah, ça me saoule leur bouclier à la con. Un peu trop vite, moi. On n'a pas de clé. Bon. Non. Chaque fois, j'oublie le coup du de la protection. Donc, j'utilise en là, genre maintenant. Thank you.
Putain, je tire vite maintenant. Pas mal hein, le truc à répétition. C'est juste les dégâts, c'est pas top. Ouais, merde. Ouais, dégâts, c'est pas énorme. Combien? Que 20? Ah non, dégâts des armes, moins 25. Ah oui, c'est parce qu'on bouge, attends. Si je fais comme ça. 50%, ça va. Alors, on va changer d'arme. Alors, électronique impulse de lame, harmoniseur de lame. Non, chambre profinée, enfin, il a l'extracteur, oui, c'est bien. Mais bon. Portail à rayon, projection dentelée. L'oscillateur, je sais plus ce que ça fait. Après, suivre les trajectoires oscillant et infliger de plus de dégâts. Ok. Il y en a les balles qui traversent les murs, je crois aussi. C'est soigné. J'arrivais pas à le toucher. Ça, on va me faire de conserver, mais c'est plus des dégâts. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Ah, ouais, je sais. Pas mal. Oscillateur 1. Ouais, alors bon, le parasite qui fait des dégâts, bon, c'est peut-être une connerie. J'avoue. Possiblement une connerie, mais bon.
On a les balles qui suivent maintenant. Ah, ça tue. On va zapper. Oh. Non, j'ai changé d'arme. Oh là là, je voulais pas changer d'arme. J'ai cru que c'était une arme consommable. Oh là là. Débile. Ah bah là on a merdé là. C'était une bonne arme qu'on avait en plus. Oh putain. Quel gros con. Pardon ? Faut que je choisisse en plus. On est obligé de choisir quoi. C'est bien tous les dégâts internes qu'on se prend. Ah bah oui, là c'est une stratégie idiot. Ok, on peut pas... C'est ce que je pensais. Ah, il y a un glyphe là, ça c'est par contre ça c'est méchant ça. Bah regardez ça, on va... parce que en fait, à chaque fois que je change d'arme, je prends des dégâts, donc là je suis pas trop sûr que ça soit bien. Donc je préfère garder ce que j'ai pour le moment. Même si c'est pas magnifique. Par contre là, le lanceur, chambre profilée, fusil à tête chargée, projectile auxiliaire. Bah oui. Bien joué. Faudrait vraiment que le rechargement soit plus clair. Parce que quand je regarde les ennemis, honnêtement, moi je vois pas la barre. Hein. Je vois plus la barre. Genre là, la barre blanche, je la vois à peine. Hein. Je sais pas si on peut pas changer ça dans l'accessibilité. Il y en a beaucoup.
coup là. Allez, vas-y, meurs. On n'a pas de truc très chiant pour le moment. Si on a, tant qu'on n'a pas l'acide, honnêtement, l'acide c'est reset hein, direct. Hein, je veux pas dire. Ah, j'aurais dû peut-être d'abord prendre l'objet et après faire prendre ça. Parce que si jamais on se prend des dégâts. Pas de dégâts, tiens. Intéressant. Faudrait qu'on change notre arme. Ah non, 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 j'ai rien dit, on vient de la changer. Toute ta tête chercheuse et tout, c'est énorme. Il n'y a que le spécial, enfin le tir secondaire qui est un peu pourri. Le flux scindé. Non, non, on va rester avec l'explosif. Leur charge réussit à réduire le délai. Un coup supplémentaire peut être encaissé avant que le niveau d'atteinte ne chute. Bien. Non, on se soigne bien en plus. Hein. On va peut-être rester avec ça pendant un petit moment. Attends, il y a combien de trucs? Ah, fait chier. Y'a que son tir secondaire, c'est un peu pourri, mais bon. Comme ça. Maintenant, si on peut pas genre sauter sur l'une et après sur l'autre pour avoir au moins un objet supplémentaire. Oh, il y a un glyphe encore au centre, je crois. C'est quoi ça? Sans déconner.
Ouais, c'est bon. Oh, il y avait un objet. Non, non, il y avait un objet à récupérer. Pas grave. La maîtrise. Par terre, autant pas la prendre, parce que sinon on va se prendre des dégâts. On est quasiment à 45 de toute façon. Ah putain, il y en a encore. Go go go! Là où la boule? Elle est morte. Oh. La fin de mêlée augmente vraiment à vitesse. Bon. Et c'est un peu bof. Ah, 500. Chut. Ah, ça, on s'en fout. Alors là, on a le vassal, m'intéresse pas. Le lanceur thermo, ça m'intéresse. Automatique, il est intuitif, il a les roquettes thermiques et impact réplicateur 2. Il a un essaim tracker. Rayon d'explosion est quasiment au max. Ok, celui-là, boum. Ouais, celui-là, on prend, allez. J'aurais dû utiliser la protection avant de... Sérieux là? Non! C'est quoi le deuxième tir? Ah oui, les saints traqueurs. Ah, j'ai mal à l'œil droit surtout. Alors, là on a le même lanceur avec tir suivi intuitif automate. C'est quoi intuitif? Je sais pas regarder. Intuitif. Les animations rapprochent plus. Rapportent plus de maîtrise. Ouais, ça on s'en fout. Ça c'est le dot automatique. Bon, c'est tir auto. Et ça c'est. Une requête guidée supplémentaire. Là, t'as quoi? T'as tir suivi, impact réplicateur. Impact réplicateur, c'est. Les requêtes. Ouais, peut-être mieux celui-là. Le suivi, ça sert à rien, honnêtement. Enfin, intuitif, pardon.
tir suivi, c'est quoi? Tiens, un projectile supplémentaire en plus puissant à la fin de chaque salve. Ça, c'est bien ça. Tire ici, tiens, ok, ouais, c'est pas mal. Ok, on va rester avec ça. Si en plus on a le gros tir, et je crois qu'on va pas changer. Je crois que c'est pas mal. Ah merde, c'est un truc. Ok, j'ai pas vu, fait chier. J'avais pas vu qu'il y avait la boule. Pas grave. On a pas de clé. On a pas de clé? Bizarre. Je crois qu'on en avait. Ah, boule. Ouh. Eh merde. Ah, c'est bon. Lol. Ah merde. J'aurais dû me soigner après, encore une fois je fais le coup. C'est quoi qui m'a touché? J'ai en l'air. Je crois que c'est un bug. On peut pas accéder en haut. Ouais, je crois qu'il y a un truc. Ouais, j'en sais rien. Où là? Oh, en haut. Sans savoir comment le prendre. Non. Je sais pas. Ah merde! Pas grave. Ah, j'aurais pu continuer, on pouvait sûrement accéder au... à l'objet. Pourquoi je vais aussi vite? Alors, le lanceur à pyro. Explosion frémissante. Ouh, j'ai bien envie de regarder. Non, mais on garde ce qu'on a. Je dois être quasiment à 300% de vie.
Monte, 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 monte. Merci. C'est sympa. Munis contre les effets de ralentissement, ça tue. Là, t'amusais bien à me tirer dans le dos, toi. Putain. C'est parti. Je veux pas dire, mais ça va plus vite que... Ouais, ça va nettement plus vite que... Que notre arme spéciale. Hein. Des flaques d'acide. Ouais, c'est mort. C'est mort. Ça va être la catastrophe. Donc, faut que je pense à utiliser les armes et tout ça hein, quand on a, quand on combat des gros trucs. Ils font très, très, très mal. Surcharge de fire et du délai de récupération. Non. Protection. Avec de la chance, nos objets seront pas utilisés, mais bon. On a que 15% je crois. J'ai l'impression qu'on va plus vite, non? À l'acide.
Je crois qu'on se débrouille mieux. Je fais toucher ou quoi? Ah putain, oui. Je veux pas dire, mais t'aimes pas les explosifs, toi. Ouais. Non, merde. Cacher ou détacher, non, ça on s'en fout. Ça on prend. Hop, on se soigne. Et on n'a pas fini, j'aurais pas dû faire ça. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait mal? Il m'a enlevé quasiment toute une barre de vie en fait. Enfin, la grosse barre de vie. Genre 200% sur 300 presque de vie. Incroyable ces machins, incroyable. Si j'ai le choix, je prends le soin là, faut qu'on se remette full vie. Bah, j'appelle pas ça full vie, mais bon. C'est thermo avec chambre agrandie 2. Non. Non, non, non. Il a visé mortel en plus. C'est pas vraiment intéressant. Genre le héros là. Vraiment cool. Puis les tirs qui suivent là. Ça aide tellement. Derrière moi. Oh là, le rayon de l'acide, quoi. Débile. Allez.
Ah putain. Ah, c'est acide, hein. Oh, il y avait un glyphe. Ah. Il y en a deux. Ok, j'ai eu tout le monde. Oui, parce que c'est bon quoi. Je veux pas trop. Je veux pas encore utiliser mon soin parce que. On en a qu'un. Oh le bordel. Et tu l'as pas volé, hein. Oh merde. Ah, c'est chi... C'est con... C'est... Ouais, c'est bête qui nous est touché, là. Subir réduisent les... Non, on s'en fout. Pardon. Alors, on monte les dégâts des armes 10% intégré complète ou basse. Intégrité max, augmente la protection. Munitions sans su 3. Eh ouais, j'avoue. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça tu m'as touché? C'est parce que j'ai touché le nuage? Oh là là. Bravo. Faut que je me soigne. Faut qu'on se soigne. Ah, protection, ça c'est bien. Pas le truc plus soin et matériel. Non. Tiens, ça nous a soigné de récupérer un machin. Je sais plus comment ça marche. Je sais plus ce qu'on a en fait. D'accord.
Oh là là. C'est bon? Ah ouais, non, là c'était un peu... Parce qu'on n'avait pas vraiment de... d'endroit pour se protéger, rien. C'est quoi ça? Une sphère, on s'en fout. Pas de clé, évidemment. Je crois qu'on arrive bientôt au boss, là, non? Merde, j'ai... Oh, quel con. Ouais, prochains parasites seront mieux. Il y en a des nous des prochains. Quoi ça? Merde. Je sais pas, j'ai détruit un truc où il y avait un monstre ou j'en sais rien. Ok, et on se soigne. D'accord, t'es immunisé au super boom. Adieu. Quoi? Quelle merde, les dégâts qu'ils font. Absurde. Absurde. Tiens, j'ai pas eu de dégâts sur le deuxième objet que j'ai pris. Oh merde. Sympa. C'est une nouvelle variante en fait. Oh, il m'a one shot.
fait chier. Ah, ça, ça fait chier, il m'a one shot. D'accord. J'ai saisi. La tour a son propre cycle. Répétition, changement. Je veux. Il faut. Monter plus haut. Sans déconner les dégâts. En fait, la vie, elle sert plus à rien, quoi, à un certain moment. Genre, les gros monstres, bah, ils vous massa, ils vous one shot, quoi. Parce que là, on était full vie, là, presque, quasiment. Un coquelicot, et deux, et trois, quatre. Combien m'en faudra-t-il pour ouvrir la porte? On peut regarder ça. Deux. Oh la page, serre 3, 4. Attends, 2, 3, 4, 5, 6. Il en faut 6 en tout, je crois. Je crois bien qu'il en faut 6. Il semble que ceux qui servent à conduire sont. Je pense que là, on devrait avoir une autre histoire parce qu'on en a 2. Putain. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ça va faire 3 heures. Presque. Ah, ça fait une bonne séance, quoi. Là, il n'y a rien de nouveau. J'aurais peut-être faire ça de temps en temps. Genre, essayer d'avancer dans les coquelicots. Désolé. Si seulement il y en avait plus. Ah, on a des nouvelles choses. La plus petite absorbée par la plus grande. Et toutes sont vides à l'intérieur. Wow. C'est une façon de voir les choses. Oh, ça a changé. Alors, mais un jour, la petite fille se réveilla sans entendre un son. Aucune trace de maman, ni dans la maison. Elle fouilla les bois, mais ne trouva ni maman, ni machin. Rien que de la mousse vide et des arbres moroses. Ok, c'est chelou. C'est quoi ça? Palliatif care, ok. Maternity war. Des pièces pour la traverser. Ah là 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 là. Après, ça a l'air quand même d'être vachement long hein, pour débloquer les trucs. Le calgar, Winpig, truc contre les championship. Alors, une jeune femme de la région remporte le championnat de natation intercontinental. Theia Vassos, étudiante à sûrement l'armée de l'air ou je sais pas quoi. Enfin, non, pas étudiant. Oui, mais c'est une étudiante, pardon. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Décroche l'or au championnat de natation intercontinental de cette année. Elle finit première aux 500 mètres nage libre avec un chrono impressionnant de 4 minutes 53. Donc ça, c'est sa mère. Considérée comme l'étoile montante de l'équipe de natation de l'université, Vassos a été en état de grâce toute l'année. Elle nage comme un poisson dans l'eau, elle déclare son entraîneur. A déclaré son entraîneur après la victoire. Tous ceux qui l'ont déjà vu nager savaient déjà qu'elle finirait par se distinguer. Encourage Vassos à se consacrer à une carrière olympique, mais reconnaît que ses prouesses académiques et son intérêt pour l'astronautique méritent aussi qu'elle s'y consacre. Distinguée dès sa première année de mathématiques, Vassos, suite à la page. Il y a la suite ou pas? Non. Non, il n'y a pas la suite.
Non, mais c'est bien ce qu'on disait, hein. Là, on a encore des preuves en plus. Que Teia Vassos, donc sa mère, la mère de Selene, était genre extrêmement douée en tout. Enfin, en tout, en douée. En tout cas, elle a fini par l'astronautique. C'est comme ça qu'on dit l'astronautique? Je pensais que c'était l'aéronautique. Mais non, aéronautique, c'est les avions. Astronautique, c'est l'espace. Donc ouais. Et Selene a dû vouloir genre marcher dans ses pas, mais ça a pas marché. Et sa mère devait être extrêmement stricte parce que sa mère a réussi. Donc en général, ce genre de personnes, enfin dans les films et tout ça, ils font toujours un peu le cliché où les parents qui ont bien réussi dans leur vie veulent que leurs enfants fassent exactement pareil, quoi. Et genre, ils sont extrêmement stricts par rapport à ça. Du coup. Alors que Selene, c'est limite une ratée, en fait, aux yeux de sa mère, sûrement. Elle a déjà pas pu rentrer dans l'astronautique. Parce qu'elle a été refusée. Nous sommes venus ici pour reconstruire nos corps brisés. Regarde s'il y a autre chose, mais normalement on avait vu ça. Mais ouais, je suis content qu'au final, l'histoire, je l'ai bien comprise en fait. Parfaitement comprise même. Mais je veux voir vraiment s'il y a une explication, quoi. Mais ouais, donc elle a été sauvée, mais elle est dans le coma, quoi. Elle a eu des problèmes à la colonne et tout ça, donc elle est obligée dans le coma. Et tout ça, c'est dans sa tête. C'est quand il y a le... On peut pas l'améliorer. Genre mettre deux lames ou un truc comme ça. Enfin bref, on va s'arrêter là. Je recommencerai un jour ou l'autre, je sais pas. C'est juste que là j'avais un peu de temps. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc on a récupéré deux pièces de coquelicot. J'essaierai de les récupérer toutes petit à petit. Mais je promets rien. Là, je promets rien parce que c'est vrai que de faire ça tout le temps, c'est un peu gavant. Honnêtement, si on avait un moyen... Enfin, si on était plus certain de comment ça fonctionne, c'est-à-dire si je fais le stage 1, genre ça suffit pour trouver une autre pièce de coquelicot, honnêtement, je me laisserais crever pour aller plus vite. Si jamais on trouve une autre partie du coquelicot, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais me laisser mourir et on recommence. Pour aller plus vite, honnêtement, parce que je veux voir la fin, moi, mais bon, enfin bref, à la prochaine, portez-vous bien, enfin je veux voir l'histoire surtout, ciao ciao.